Bonjour, ou bonsoir. Là, j'ai envie de faire une vidéo sur les champignons, vous voyez? Là, il y a une haie, un tracé, que des champignons. C'est beau quand on cherche des champignons, il y en a tellement de champignons. Et ça, c'est des coulemelles. C'est bon à manger. Très bon. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup ça. Parce qu'il y en avait beaucoup aussi au Portugal. Et là, j'ai envie de faire un petit vidéo. Un souvenir en même temps, un truc comme ça. Sur quoi? Sur le témoin de Jéhovah. C'est quoi le témoin de Jéhovah? Vous voyez? Je me promène toujours avec un bouquin pour reconnaître, parce qu'il y a toujours de nouveau. Moi, je sais pas, pour être sûr et tout ça. Là, vous voyez, il est beau ce champignon. Je le reconnais, je l'ai déjà touché. Ça, c'est quand on voit le témoin de Jéhovah au début. Vous voyez, orange avec des trucs blancs, des peintures blanches, un bas blanc, le pied droit, tout beau. C'est un beau champignon. C'est plus beau que celui-là, qu'il y a plein d'écailles et tout ça. Celui-là, il est vraiment. C'est un beau champignon. Il n'est pas comestible. Il est toxique. Vous voyez là? Comestible, toxique. C'est vraiment toxique. Ça, c'est le début du témoin de Jéhovah. Vous voyez? On est tout beau. Des fois, on est tout content au début. Au début, on est tout content. On n'est pas encore enchaîné. Après, on est là, vous voyez? Après, on est comme ça. Vous voyez? On change de couleur. On était à orange, vu en orange, rouge-orange. Après, on vient comme ça. Vous voyez? C'est pareil. Mais c'est pareil. Une hématite panthère, fausse goulmotte. Il a la fausse orange. Fausse, fausse. Demande on va, fausse. Pas d'amour, les gars. Je ferai après une vidéo pourquoi. Et après, une fois qu'on est comme ça, après, on vient comme ça. Et après, hématite paloïde. On vient comme ça, vous voyez. On est dans un cocon. On est carrément dans un cocon, tout marron. Un cocon. On viendra dans un cocon. Un véritable cocon. Une fermeture, vous voyez. On n'arrive même pas à respirer. On a du mal. Comestible. Comestibilité. Vous voyez. Là, il n'est pas toxique, il est mortel. Vous voyez? Mortel. C'est comme ça. Eh oui. C'est pour rigoler, les gars. Mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens, témoins de Jéhovah, qui sont dans la secte, qui sont en train de mourir. La foi, spirituellement, physiquement, psychiquement, total. Eh oui, c'est la vérité, les gars. Il faut se libérer. Libérer. Comment? Chacun cherchait vraiment Jésus, Dieu Jésus, pas la secte, pas de mouvement des humains, pas suivre des humains. C'est très simple, hein? Après c'est très simple d'être heureux, vraiment heureux, épanoui dans la vie, être en paix avec soi-même. Ah oui, être soi-même. Et bon, après chacun, il y en a qui arrivent à se libérer, d'autres qui n'arrivent jamais, d'autres qui sont heureux. Il y en a qui sont heureux dans la secte, qui sont mortels. Qui sont empoisonnés, mais bon, après ceux qui sont là-dedans, c'est les corrompus. Beaucoup de ceux qui sont heureux vraiment là-dedans, vraiment vraiment heureux à 100%, c'est les corrompus. C'est les diables indirectement, c'est les corrompus, les hypocrites qui savent qu'ils n'ont aucune espérance. Ils le savent qu'ils n'ont aucune espérance parce qu'ils sont corrompus, mais ils croient pas. Ils ne croient pas. C'est comme Judas Iscariote indirectement. C'est des personnes qui n'ont aucun amour vers son prochain. Oh, c'est un faux amour, c'est un intérêt personnel. Ils sont heureux, ils s'estiment heureux, ils pensent qu'ils sont heureux parce qu'ils n'ont aucune espérance, ils sont heureux dans le monde. Et c'est ça la différence. Ah oui, mais bon, après il y a des gens, tout est complexe, mais bon, on arrive tout de suite à voir quelqu'un qui a un véritable amour, quelqu'un qui n'a pas d'amour. On serrait la main et on regardait la personne, normalement une personne sensée qui connaît l'amour, c'est tout de suite savoir, oh celui-là,
qu'il y a des gens qui voient rien, des gens qui d'autres personnes qui sont piégées. Tout est complexe là-dedans. Mais bon, c'est juste pour dire, faire une petite vidéo sur les champignons. J'ai jamais fait une vidéo sur les champignons, sur la différence entre un véritable champignon et un champignon qui se rassemble au témoin de Jéhovah. Eh oui, les gars. Faudrait quand vous le voyez ça, ça, tout beau. Faites attention, parce que d'après vous devenez comme ça. Eh oui, tout rouge, allez, la prochaine vidéo, c'est pour rigoler un petit peu. Allez. Allez, la nature qui fait. Un arbre, il s'est arraché, un arbre, pendant la tempête. C'est incroyable. Il y a des champignons à ses pieds aussi, que le mêle. Un arbre, un gros arbre, carrément. Poum. Poum. Eh oui, c'est la nature, va être mangée par d'autres petits. La prochaine vidéo. Bonne journée.